Mais non. Ouh, on pensait pas en trouver. On a tellement de chance. 3 semaines et demie en avance d'une tempête argentée avec le fameux Lugia alternative. Lugia Gold. Non, non, mais Rayquaza Gold. L'extension, elle vient à peine de sortir au Japon. Ouais. Et là, on l'a trouvée en français, dans des magasins français. On l'a trouvée dans 2 magasins différents. C'est un truc de fou. Et du coup, région nantaise. Hein. Faut aller en magasin parce que. Les rayons de Noël, c'est toujours pareil. Oui. Il y a toujours un magasin ou deux ou des enseignes. Apparemment, il y a une enseigne aussi. Nous, il n'y a pas à Nantes, mais apparemment, il y a en France aussi. Il y a une grosse enseigne de supermarché qui en a aussi. Oui, donc, voilà. Il y en a plusieurs. Ça commence à arriver. Là, ça va arriver très vite parce que ils installent tous les magasins de Noël, tous les rayons de Noël, et du coup il y a du Pokémon tout le temps d'avance. Ça sort donc le 11 novembre. Bon, c'est férié, donc je pense que ce sera soit la veille, soit le lendemain, enfin la semaine. Et là, on est 2 semaines avant et on a du Pokémon, quoi. Ça fait plaisir, hein. C'est incroyable. Regardez-moi, c'est chef-d'œuvre. Incroyable, donc tempête argentée EB12. Encore des très grosses cartes avec des Zarbi alternatives, avec Lugia alternative, Rayquaza Gold, Rayquaza VMAX alternative. Galerie, entraîneur galerie. Non, mais c'est un truc. Avec la dresseuse qu'on est, Amaryllis, qui est en bas, et en fait, je crois que c'est ça, non? Ah oui, attends. Si, le Rayquaza, c'est ça. Ouais, le Rayquaza VMAX Alternative, il est comme ça aussi. Je sais plus. Parce que je confonds avec le Rayquaza. On va l'avoir, donc je rigole. Avant, on a eu Terra. On a eu Terra. Du coup, on va ouvrir un petit échantillon plutôt sympathique. On va ouvrir 3 tripacks chacun et 2 boosters chacun. 2 boosters chacun. Parce qu'en fait, on en a acheté un peu plus pour faire plusieurs vidéos. Mais du coup, on va quand même savourer. On n'est pas là pour surenchérir pour l'instant. On a déjà la chance de pouvoir en trouver en magasin. Exactement. On a vu aussi des gens qui ont publié des vidéos de kits d'AP et tout. Donc, pareil, ça tombe très vite. Là, ça va commencer. Fête de Noël, ça arrive très vite, les extensions qui sortent en même temps. Mais du coup, tardez pas si vous en voulez, parce que c'est possible qu'avec les périodes de fête, ça parte assez vite le stock, et finalement, que vous vous retrouvez qu'avec du Astro Radio, du point de fusion. Et là, ça va être les dernières extensions épée et bouclier. L'année prochaine, il y aura du coup vieux écarlate et violet. Donc je pense que ça va être un peu comme X et Y ou Soleil et Lune en fin de vie. Éclipse cosmique, c'est devenu un peu rare. Exactement. Donc voilà, si vous voulez en ouvrir, faut pas hésiter. Regardez-moi ça. On a Rigileki. Rigileki. Tempête argentée. Lugia, du coup, qui est le Dracaufeu de l'extension, hein, qui est Lugia, c'est juste un des Pokémon les plus stylés de la 2e génération. Exactement. Et, Pokémon d'argent, quoi. Goupix d'Alola. Goupix d'Alola. Et pourquoi pas Medfenard, je sais pas. Oui, je sais pas. Grave. Et Regidragon en tempête argentée, sachant que Regidragon et Regileki viennent de l'extension qui vient de sortir au Japon le 20. Mais c'est fou! T1 octobre. Bah là, la semaine dernière, quoi. Je crois, et du coup, c'est celle-ci, donc pas besoin de voir du japonais. Après, peut-être voir du japonais, c'est possible. Oui, c'est possible. Pour rester au courant de ce qui se passe sur la chaîne. En tout cas, faut s'abonner, faut mettre un maximum de pouces bleus. Merci à Dimekim pour les boosters. Let's go. Non, vraiment, en plus, c'est coup de chance. Je vous explique juste le coup de hasard. Je travaille sur TikTok, je vois quelqu'un qui a des packs de ça. Je fais, attends, c'est une blague, et c'était il y a quelques jours. Et je regarde les commentaires, c'est marqué à Nantes. Et je fais quoi? Du coup, on a essayé d'élaborer un plan, on se dit ça doit être ça, celui-là. Il y avait le magasin qui était cité. Du coup, là, on est allé dans le magasin et effectivement, il y en avait. C'est pas exactement à Nantes, c'est à côté de Nantes. Non, c'est pas très très proche de Nantes. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, et ben, ça fait plaisir. Et bien, les gens. J'espère avoir la chance parce que les tripacks, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert, sachant que la dernière fois, on avait ouvert du. Je sais plus quoi, et on avait eu une carte de fou. Je sais pas où ils ont mis Pikachu. Je sais plus quoi. Star étincelante. C'est pas les derniers qu'on avait ouvert, Star étincelante. On avait non, c'est Terra déjà. Ah, les tripacks. Les tripacks. Et les derniers tripacks stylés qu'on a eu. Ouais. Arceus Gold. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est qui tout double, hein, les tripacks. Hein. Après, on a ouvert des Star étincelantes, on a vu 2 fois la Noctali VMAX alternative. Oui, alternative, ouais, c'est vrai. J'ose pas commencer parce que du coup c'est que des nouvelles cartes, en plus on sait pas spoil, donc en fait on connaît pas du tout juste les alternatives, je crois qu'il y a Zarbi et Lugia et je crois qu'il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Bon, ça commence, t'as rien. Mais c'est pas grave, mais si, parce que ça peut être dans l'inverse. Moi, si on a Rayquaza Gold, c'est un peu comme Pikachu là, VMAX. Je m'en fous, hein, c'est très bien. Bah, déjà d'ouvrir en avant, c'est très cool. Oui, voilà, de toute façon, c'est juste une avant-première sur les holos, sur un peu tout ce qu'il y a dans l'extension. Voilà, si on n'a pas grand chose aujourd'hui, c'est pas très grave. Oui. Mais sur la quantité, j'espère quand même que sur une vingtaine de boosters, on va avoir au moins quelques cartes, genre DV ou autre. Ah, c'est joli ça. Quadrock, Morpeko, arôme captivant. Oh, Spinda. Oh là là, mais il sort d'où ce Pokémon là? Donc le logo de l'extension, c'est un petit Lugia. Ouais, ouais, c'est pas trop mal. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique la carte. Il y a Pikachu à chaque extension maintenant. Ouais, j'avoue. Ils n'arrêtent pas avec Pikachu.
Sonistrel, le type dragon. Ouais. Oh, what? Elle est trop stylée. Mais c'est trop chelou. Mais on sait pas ce qu'elle, donc on découvre vraiment les cartes en mode... Ah ouais, en mode découverte vraiment. Mascaïman. Ça faisait longtemps qu'il avait pas mis. Lufsor. Et du coup... Lufsor, c'est quoi, c'est Lufsor. Moi j'ai un Lufsor. Parce que Mew. Oui, donc Lufsor. Lufsor. Ok, premier tripack. Ah, Pikachu, elle est incroyable. Premier tripack, les gens. Je kiffe. Let's go. Elles sont fortes, les cartes. Est-ce qu'on va avoir... Ouais, non, elles sentent bon, elles sentent les cartes. Elles sentent pas les cartes. Non, mais. T'avais oh, il y a trop, il y a t'avais trop chou. Code blanc, code blanc. Ah. J'ai donné les codes. Oui, j'ai donné les codes. Je sais plus. Eliatron, Hôtel Primordial. Oh, mais. Mais ils ont mis. Mais c'est quoi ce lot de cartes là avec le Pikachu avec Deden Toki Daramon? Elle est incroyable. Elle est magnifique. Ça fait une éternité. Deden, ça fait une éternité. Hein. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on a une collection de Deden. Meditica. Là, parce qu'il revient dans le jeu, non? Je crois qu'il est dans la liste des Pokémon du jeu, je crois. Ah, mais je suis pas sûr, j'ai une hésitation. Ponyta, les illustrations sont très belles. Elles sont belles, hein. Les cartes sont assez. Je trouve que quali, les Mimitos. Cartes. Hein. Oui, le. Ouais, ouais, ouais le print tout, est pas ouais, pareil. Ouais, ouais, ouais. Tarsal, Ouvrière, qui doit être peut-être en. Et Montmartic. En. Non, je pense pas. En Foulard. Après, je sais pas si on aura grand chose. Hein. En fait, ça dépend le tirage total. C'est qui tout double, ah. Vraiment, les. Ah, ah, ah! Non, c'était une élo. Hein. Ouais, mais premier code noir. Premier code noir. Premier de toute l'histoire de notre chaîne. Bon, bah, je pense que. T'as rien. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Lockpin, Serena, Énergie Régénérante, Néphéos, Nosferati, Lusor, qu'on a eu juste avant, Trompignon, Bacabou. Celle-ci, on dirait qu'elle est sortie du fin fond du tiroir. Oh, Lipoutou, elle est jolie. C'est une peu commune. Et du coup, une holo Archaeopteryx, Aerotéryx. Bon, ça commence gentiment. C'est pas fou, hein. Ça commence mais doucement. Bon, c'est normal, c'est le début. Hein. On va pas avoir direct du lourd et genre, bah voilà, les gens... Ah bah, je vous manage comme toi. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah, ça fait plaisir. Mettre un échelle de poulet, faut dire... C'est pas spoilé de toutes les cartes. Oui, et puis faut dire que vous avez trouvé, mais normalement, enfin, de ce qu'on a eu comme écho, il y a plein de magasins. Il y a pas mal de magasins. Bah, c'est à cause des périodes de Noël, hein, c'est toujours pareil. Oui, parce que du coup, tout le monde fait son rayon, et en fait... Il faut qu'ils le remplissent, donc ils mettent ce qu'ils ont en stock. Et du coup, les magasins, ils respectent... Mais c'est fou qu'ils aient reçu aussi autant d'avance. Mais du coup, ils respectent rien, les magasins. Ah non, bah après, c'est les centrales, je sais pas si c'est le magasin ou la centrale d'achat, j'en sais rien. Régidragon, on commence par ça. Parce qu'il y a un magasin qu'on avait en avance, que c'est pas ce magasin là on est. Parce que dans le magasin, il n'y avait pas, non. Non. Donc bon. Alors. Après, c'est du hasard aussi, hein. Oui, c'est ça aussi. 4. Ouais. Bon, bah let's go. Allez. Hakim d'ouvrir son tripack, j'espère qu'il sera plus généreux que le mien. Énergie. Après, il n'y a rien qui est certain. Hein. Ouvrière. Eliatron, donc ça tu les as dit. Trompignon. 195. Quoi. C'est, nous, on a abandonné les collections. Hein. Bacabou. Ah oui. Nous, on est que sur certaines cartes. En fait, compact, on est content. Et puis voilà. Togedemaru. C'est chou, Togedemaru. Nosferapti. C'est marrant. Et Deden, Armaldo, que t'as eu aussi, toi aussi. D'accord, c'en est deux. On retient avec Chris Dragon. Un code tout blanc. Alors, on va voir si c'est toujours. Bah, de toute façon, c'est qu'en ouvrant qu'on se fait notre idée. Hein. Exactement. Faut attendre les tirages, savoir ce qu'il y a, si t'as de la chance, si t'as pas de chance. Énergie électrique. Est-ce qu'il est probable d'avoir le logis alternatif ou c'est une chance sur 1 million. Avec Love 10, c'est marrant, il y a beaucoup de cartes avec oui, deux avec Pokémon. Deux Pokémon, ouais. Ouais, c'est joli. Draco, qui est très très beau. Ouais. Vraiment, il est très stylé. Aeromite. Oh, Wilmer. Avec Goélise. Avec Goélise. Ouais, il y a plusieurs Pokémon. Ah ouais, Pokémon, stylé, ouais. C'est marrant. Cornèbre. Emolga, avec Bombidou. Ouais. Donc on est vraiment sur du électrique aussi. Ouais, et puis sur Médifica, des vieux Pokémon. Hein. Fermite. Il n'y a pas trop de nouveaux du coup. Lopin en reverse. Et Guerriaigle de Issui. Guerriaigle. Et le dernier. Arrive au moins un code aussi. Hein, parce qu'il faudrait quand même. Sinon, c'est pas cool. Ah, ah. C'est marrant, tiens. Un ouais, code chacun. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle. Est-ce que Kim va avoir la première ultra de même si c'est qu'une V, même si c'est moins bien. Tempête, est-ce que tu auras la première ultra de. Mais Pokémon épée bouclier 12, tempête argentée en vidéo. Parce que pour le coup, c'est les premières boosters qu'on ouvre, même hors vidéo. Lupio, Grimpure. C'est dit, on va pas gâcher en mode ouvrir à l'arrache alors que. Ponyta. Il y a une petite preview à faire. Allez. Mimitos. Ponyta. Et une V. Une V, ouais. Pour commencer, donc on commence mignon. Hein. Bah, Lugia.
Regieleki, elle est pas mal. Ouais, elle est sympathique. Elle est sympa. Première ultra de l'extension. V, voilà, allez, c'est parti maintenant. Après, ils sont enchaînés. Bah, du coup, Vmax. Vmax. V-Star. V-Star. Full Art. Donc, moi, j'ouvre un Togetic. Donc, première petite Full Art. Oh, pardon. C'est n'importe quoi. Togetic, il est derrière la carte. Vas-y. Togetic. Du coup, deuxième promo sur les tripacks, c'est voilà. Togetic et. Manaphy. Manaphy, ouais, c'est ça. Bah, toujours un peu d'attente, hein, forcément. Toujours. Hein. Après, ils ont pas l'air d'être très très généreux. Pour l'instant, ça commence très doucement. Après, il y a les TG, hein, y a les TG, ce qu'on ouais. attend, c'est les TG aussi. Mais moi, je me souviens qu'on avait ouvert, il y avait rien. Hein. En fait, c'est Peter Altaria, du coup, Brasilion, Laporeille, oui, il y a Lockpin, Soporifique, Mimigal, Tarsal, Cradopo. Poncho de camouflage pelu et Milobelus. C'est marrant, c'est que des vieux Pokémon. Ouais, mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait sur cette chelou, extension, ouais. Ouais, c'est bizarre. Allez, nous on veut des ultras. Ah! Est-ce que ça va être ma première? Ou ça première va être encore ultra une holo? Saura jamais. Bah, tu vas le savoir dans quelques cartes. C'est de bien cacher pour pas qu'on voit. Lipoutou, que j'ai eu tout à l'heure en reverse. Oh, Predastérie, ok. Ah, oh, professeur Lavande, d'accord. Okay. J'espère qu'il est pendu. J'espère aussi. Flamme. Oh, il est trop mignon. Chou. On dirait le lapin. Ah, il est trop chou. Ses gros yeux. Chlorobule. Il va être bientôt détrôné par Poussacha. Par Poussacha, ouais. Loupio. Grindur. Migalos. Oh. Et Inolo. Nostanfer. Trop triste. Bon. Toujours pas d'ultra pour Guigui. Est-ce que du coup c'est un seul code noir ou tu peux en avoir deux si tu as un peu plus de chance? Ah! Peut-être deux holos de suite? Deux holos de suite, ça me paraît gros. Allez. Allez, allez, un truc mieux. Un truc de dingue. Un truc de fou. Je sais pas. Gladys. Neitram. Oh, wow, oh là wow, là wow, là, wow, noir et blanc quoi. Ah ouais! Revival, hein. Gelée de secours. Balbuto. Tournegrain, Tic, Chlorobule, Flamiaou encore qui est trop chaud, Nosferapti et pour Guigui, une V. Donc c'est une obscure, donc c'est bien parce que c'est pas le même. Bah, Régis Dragon. Non, il est pas obscur. Il est dragon. Moufleur. Oh. Oh, ça fait mal. Oh, Moufleur. Waouh! Ouais, Moufleur, ça fait pas trop rêver, mais bon, ça reste ma première ultra, voilà, donc ça y est, tu as officiellement eu ta première ultra qui est mieux que la mienne. Je préfère la Géléki pour le coup, même si je suis moins fan du Pokémon Moufler. Parce qu'il est quand même récent, mais. What? Ok, Moufleur V, pourquoi pas? Pourquoi pas Moufleur V? Oui, pourquoi pas, hein? Tu sais, il y a peut-être des amateurs de Moufleur qui ont les pelus, oui, qui ont oui, les cartes. Ouais. Non, les mais Moufleur oui. Shiny, oui, ouais. Les Moufleur Full Art et tout, bien sûr. Oui, c'est possible, oui. Je suis même pas sûr s'il a une Full Art Moufleur. Je ne pense pas. S'il a une V, il a une Full Art. Ah bah, c'est sa première Full Art. C'est de sa première Full Art. Mais c'est peut-être pour le TCG aussi, hein? Oui, oui. C'est intéressant pour le TCG, il faut voir ça aussi, hein? Moi, j'ai eu deux codes noirs, quand même. C'est pas mal, hein? Ah non, s'il te plaît, elle est pas plus que moi, sinon je vais être triste. On a pioché au hasard en plus. Alors, énergie. Et ce serait bien d'avoir aussi des TG, voilà. Ils avaient de l'imagination, hein. Fille en kimono. Ouais, comment on peut appeler, elle a un kimono, c'est une fille. D'enfant. Fille en kimono. Roussil. Attends, il y a Flamiaou et Roussil, il n'y a pas Fennec du coup? Bah, je sais pas. Corneille, je pense qu'on n'a pas eu toutes les cartes, hein. Tilton, bah 195. Motisma, qu'est-ce qu'il est? Laporeille, Goopix. Oh, encore, encore une V. Okay. On va bah, voir c'est toutes mieux les Nolo, V. Hein. C'est mieux qu'une Nolo. Quelle couleur? C'est combat. Donc. Bah, je sais pas. Je sais pas non plus. Oh, Ursa King. Ah, bah, c'est pas marrant. Mal. Ah, Ursa King, c'est marrant. Ah, c'est pas mal, ouais. Bah, c'est quand même un nouveau Pokémon. C'est quand même un nouveau Pokémon exclusif à Pokémon Arceus. Donc, oui, c'est pas mal, ouais. C'est quelques Pokémon qu'ils ont rajoutés, il n'y en avait pas c'est beaucoup d'Arceus, mais... Oh bah c'est pas mal. Ursa King, ouais c'est pas mal. Ursa King, du coup elle est en ultra. J'imagine. Hein. En fait, il n'y a pas la liste, je crois. On sait pas, honnêtement on sait pas du tout. Oh, oh là 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 ça là bien. Ça y est, Kim, elle a sorti des bons tripacks. En vrai, c'est une holo. Hein. Oui, peut-être. Dolman. Oh, il est mignon. On l'a pas eu, Dolman, il est mignon. Non, il est très joli, ouais. Il fait pas Dolman, parce que du coup il est confié, donc en fait il y a deux Il est plus mignon que Dolman.
Oui, Monsieur Arcto. Fille en kimono. Spinda. Oh, elle est cool, Spinda, très beau. Cool. Il est très très beau. On va dire hyper la boule. Pikachu. Ouais. Allez, franchement, ouais. les deux là, elles sont incroyables. Non, mais toutes les Deden et tout. Sunistrel. Togedemaru, qui est là, incroyable. On l'a plus souvent. Hein. Togedemaru, on l'a eu beaucoup de fois. Masque et Aimant, je crois qu'on l'avait toujours pas eu. Ce serait bien d'avoir une petite TG. Ouais. Oh, et bah, ouais, franchement, ça va. Pack, ça ouais, va. Ouais. J'espère que c'est pas une qu'on a déjà. Ah. Oh non. Une petite double pour commencer. Bon. Ok. Ben ça, il y a beaucoup de V. Ok, ouais, il y a des V. Il y a beaucoup de V. Bon, après, ça reste des ultras, hein. 4 ultras, c'est pas mal. Pour l'instant, ça va, ouais. Bon, juste qu'on tombe au moins... Bah, j'aimerais bien une petite TG. 3 Pas mal. Tous tes boosters... Attends, si t'as encore une V, non, attends. J'espère que c'est une Holo ou plus, hein. Il y a un truc, déjà. C'est une blague. Mystigrix. Tu veux avoir 3 V, mais non, mais c'est éclaté. D'arène. Faut qu'ils arrêtent avec leur quota. Tu peux pas avoir 3 V dans un même pack. Tu peux pas avoir 3 V dans un tripack. Et après le tripack d'après rien à voir, c'est pas cool. Cornèbre, Stalgamin. Oh, première foulard. Non. Allez, retire. Allez. Le pansement. 1, 2. Oh, pas mal. Richard. Bah, on s'imagine toujours l'alternative. Ouais, moi aussi, et je me suis dit, oh non, et j'ai vu Richard. Non, je mais ah ouais, ouais. Même, faut, enfin, 2 V et une même foulard dans le même tripack, quoi. C'est abusé. J'ai le meilleur tripack, hein. Très très cool. Reshiram, c'est pas mal, hein. Là, il y a un noir et blanc vibe en mode. Le fond est pas ouf, mais le Pokémon est magnifique. Ouais, l'illustration est sympa. Je sais pas s'il y a une très très beau. Reshiram, bah, je m'attendais pas qu'il soit dans le. Ouais, c'est énorme. Dans l'extension. Reshiram, non mais 3 ultra en 3 ultra paquets. En 3 paquets. Et encore pas des TG, hein. Qu'est-ce que tu veux faire mieux? J'avoue. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Bah franchement ça va, ouais. Franchement ça bah, va. Pour 4 tripacks, franchement... C'est, bah, c'est du aléatoire, hein. C'est pas du... Ah mais ton tripack sauve le truc, hein. Aussi. Ouais, hein. Mon tripack sauve le... Ah je voulais tellement une alternative, mais ouais je sais très bien. Je sais même pas ce qu'il y a, je crois qu'il y a une alternative, bah, il y a Zarbi, Lugia, et je crois qu'il y en a d'autres, mais... Ah Lugia, moi je pleure, hein. J'aurais pu avoir Mouflair en full art, je pense qu'elle existe. Moi j'ai rien à voir. Mais si, il faut que t'aies des TG, là, parce que les TG, il y a... Ah oui, moi je veux bien, moi si j'ai TG ça va, c'est bien aussi, hein. Le problème, c'est que en vrai, les TG. Bah ouais, il y a même pas les petites là. Mais je crois que c'était le même problème sur les premiers tirages. Ah bon? Monsieur. Ouais, de Star Étincelant, on avait eu que dalle, je crois. C'est vrai. Ou je sais plus. Captivant. Arôme, Kipkanaï, Terral, Cradopo. J'étais décalé. Oui, t'étais guéri de deux là. Hein. J'étais décalé de deux dans mon cerveau en mode. Ah ouais, c'était du sacré décalage. Nucleos, Nosferapti, Luxor, Fermite. Oh, Fermite. Vous avez pas connu le Fermite X, c'est ça? Le plasma. Ah oui, De la team plasma. De la team plasma. Oh là là. Il était là bleu, le bord était trop moche. Ils étaient trop moches, ouais. Je me demande s'ils vont faire comme nouveauté pour l'autre extension. Ouais, pour la bah on verra ça. Hein. Du coup. T'as un truc, tu Bah j'aimerais bien avoir un truc. Moi aussi, j'aimerais que t'aies un truc. Deden. Du coup, elle est quand même peu commune, hein. Ouais. Rossil, Morpeko. Oh, j'ai pas vu. Oh, mais. Bah oui, c'est la première fois qu'on l'a, Morpeko. Non, c'est la deuxième fois, mais j'ai pas vu tout à l'heure. Togedemaru et Deden. C'est quoi le délire là? C'est trop bien. Du coup, ça va être le même illustrateur qui a fait toutes les cartes. Fennec, qui est stylé. Cornèbre. Terral. Balbuto. Allez, une petite TG là. Peter. Et Magirem. Et voilà. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Ouais, en fait, t'as un tripack ou t'as 3. C'est tragique. Hein, voilà. Et là, t'as un tripack ou t'as rien. Et. Il y a des chances qu'il vienne du même endroit en plus. Hein. Oui, c'est possible. Ouais. Une TG. Oh! Oh, une radieuse! Ah, une radieuse! Ah, une radieuse! Pas mal! J'ai pas ce qu'il y a en radieux! J'ai pas rien eu! Tu sais ce qu'il y a en radieux? Non! Oh! Oh, Reikyu! Ah non, mais c'est trop bien! Ah, c'est trop bien de passer spoil les cartes! L'extension est trop bien, ouais! Parce que tout a pas été dévoilé, on a pas ouvert, on a pas regardé de japonais! Quatox, Trompignon! D'ouverture, parce que comme il vient de sortir! Rolicante, Brutalibré, Furigon! Qui ça peut être? En type métal? Type acier? Franchement, j'en ai aucune idée. Hein. 90 PV. Radieux. Oui, j'ai vu radieux. Malchance, Astral. Astral, c'est... Oh, oh, elle est magnifique. Mais elle est trop stylée. Oh, elle est incroyable. Il est shiny, du coup. Elle est trop classe. Oh là là. Elle claque de ouf. Hein. Ah ouais. Elle claque de ouf. Elle claque de ouf. Ah ouais, de là, elle brille. Ah, elle de est magnifique. Ah ouais, incroyable. Parce qu'elle existait en Amazing, dans Voltage éclatant.
Mais du coup, incroyable. Pas en radieuse. Bon, bah, ah, j'ai une amazing, je vais dire. Tiens. Non, ouais, une radieuse. Eh ben, elle est pas mal. J'ai plus de triple, je suis triste. Mais t'as des solos là. Ouais, je vais piocher. Pas mal. Et toujours pas de TG du coup. Parce que ça fait pas partie de. De chacun. Tu veux voir quoi, toi? On va voir un luge. Non, pas un luge chacun. On va voir les 4 illustrations. Je sais pas si ça sert, ça. Jirachi radieux, quoi. Et bah, très bien. Elle est magnifique. Elle est magnifique, ouais. Très jolie. Et c'est fou parce que les radieuses n'ont pas vraiment valeur, mais c'est une très belle carte. Oui, ouais. Bah, ils ont mis trop de quotas sur les radieuses. Après, je sais pas. Donc, première TG, entre guillemets. Bah, non, c'est pas une TG. Entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Mais vas-y, wesh. Moi, j'ai même pas eu un code. Wesh. J'ai tout gardé pour moi. Bah, tant mieux. En fait, c'est aléatoire les tripacks. Hein. Tu peux avoir de la chance. Après, c'est peut-être une lourde. Mais c'est rien une TG. Tarambule. Genre juste pour voir à quoi ça ressemble, tu vois. Nosferalto, Soporifique, Mimigal, Tarsal, Cradopo, Nucleos, Anorite, et je pense que j'ai rien. Galopa. Et qui est en mode vénère. C'est marrant, Galopa, ça. Galopa de Galar. Il est très stylé. Bah non, du coup, c'est pas de Galar. Pas mal. Pas mal du tout, hein. Franchement, en 1, 2, 3, 4 V, une radieuse, une foulard. Sachant que t'as des displays, t'as que... Ou t'as que une foulard, donc... Donc les displays sont pas encore sortis par contre. Non, non, non. C'est des trucs de magasin, donc ça va être que des trucs comme ça, je pense. Oui, je pense, ouais. Si, les kits d'AP. Kaorin. Ouvrière. Eliatron. Barpo. Barpo, l'épée. Fennec. Ah oui, c'est possible. Mimigal. C'est fou, les TG, quand même. Les TG, c'est fou, parce que je pensais au moins qu'on ait des... Ouais. Comme ça, là. Enfin, des classiques, ah ouais, en fait. Ouais, non, mais ouais, ouais. T'en as même pas... Garde de voir. Mais moi, je me souviens que c'était à peu près ça. Hein. Ah ouais. Moi, je me souviens pas, par contre. Oh là là. Et la là dernière. Là. Dernier booster de tripack. Ouais. Des tripacks, c'est ça. Hein. Généralement, t'as rien. Hein. Ah. Ah. Comme moi. Dernier booster. C'est marrant, dans chaque tripack, ouais, on a quand même eu quelque chose. Oui, on a eu quand même quelque chose, ouais. C'est marrant. Non, il y en a. Ton premier, t'as rien eu. T'as eu juste une loupe. D'ailleurs, trois chacun, ouais, c'est pas mal. Professeur Lavande, Métang, Prédactéry. Ah oui, oui, oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis parce qu'on les connaît pas, je crois. Mini Draco. Oh. Oh, elle va être belle, je pense. Attends, doucement, vas-y, fais un reveal doucement. Reveal. Oh. Oh, c'est pas. Ah, Altaria. Oh, avec Atalante. Ouais. Ah, c'est stylé. Elle est magnifique, les gars. L'illustration est magnifique. Elle est incroyable. Ah, elle brille et tout. Elle est incroyable. Avec les machines rapides, derrière, non, des bonbons. Et du coup, oh, quelle de. Je suis une lame de justice. Et bah, c'était plutôt. Ça ouais, dit, franchement, ça va. Et on a une alternative. Pas une alternative. On a une full art. Une full art. On a eu quelques V. On a eu une TG et une radieuse. On a ouvert combien? 6 tripacks. Ouais, 18. Donc une moitié de display. Ça va. Franchement, ça va. Ça va. Ça va. Franchement, c'est cool. C'est un quota. Ça fait une belle preview, tu vois. Et bah, de ouf. De ouf. Du coup, il reste ça. Il reste 2 boosters chacun. Ah tu là veux là. Quoi? Tiens, Goopix, moi je prends Lugia. Ouais. Et tu veux Régis Dracon? Moi je prends Dracon. D'accord. Ouais, t'as choisi Lugia, je vais choisir Lugia. Ouais, Goopix il est mignon. Donc là, on ouvre des boosters unités, donc là, il n'y a rien qui est certain. Nous, on préfère les tripacks parce que là, il n'y a rien. C'est moins cher. Les tripacks sont moins chers. Oui, oui, oui. Les tripacks sont à la limite. On a payé, alors, ouais, 16 euros. À peu près 16 euros. Ouais, c'était des centimes bizarres. Du coup, j'ai Rigilé qui me garde Lugia pour après. Est-ce que au hasard on a eu de la chance que... Oh. Ah, parce qu'on a pioché au hasard, ah, oui. Moi j'en ai rajouté, genre en fait les boosters solo c'est vraiment en mode... C'est galère, toi. Ça fait mal parce que t'as peu de chance d'avoir un truc. Hein. Mais après peut-être que dans le booster, Serena, énergie régénérante, Meios, oh, bah, Boracteri, elle est trop stylée. Ouais. Oui, messire. Balbuto, Bah c'est pas du tout le même tirage. Ah j'avoue, on a pas absolument pas. Si Balbuto, on l'a eu. C'est pas du tout la même carte. Lanterne. Oh, Lanterne et. Oh, une Vesta! Let's go! Violet? Oh, elle est trop bien! Elle est trop cool! Oh, elle est trop belle! Zarvi Vesta! Elle est trop stylée! Elle est magnifique! Elle est trop bien! Elle est trop bien! Celle-ci en arc-en-ciel, c'est stylé! À un moment, je me suis demandé si c'était pas une arc-en-ciel. Zarbi, non, moi parce je sais. Parce que ça brillait, oui, ouais, je sais. Vas-y, on s'avoue les derniers et chacun son tour. Ah, moi. On aura vraiment une carte de chaque truc, quoi. Genre une Vesta. Tiens, on a pas un échantillon. Il manque une gold et une arc-en-ciel, s'il te plaît. Donc tu peux packer une gold. Si genre Lugia Gold, c'est très bien. Une dresseur, une carte dresseur. Ouais, mais il manque plein de cartes. Mais on a eu un échantillon, c'est pas mal. Il faut dire si vous en avez trouvé, c'est un bon tirage. Mais ouais, il y en a pas mal qu'on a ouvert, donc c'est possible que.
blanc. Tu le vois direct en fait, dans les reflets, dans les reflets du booster. En fait, tu vois, tu deviens encore de plus en plus fou. Ouais. Au début, tu fais ouais, tu vois le truc, ouais, tu vois sur le côté. Et après, tu vois les reflets dans les boosters. Ouais. Tu vois, ah, c'est pas sombre, donc c'est mort. Après, il y a les TG. Allez. Bah oui, elle était belle celle que j'ai. Allez, mais non, mais une TG full art ou V là. Russell. Une TG quoi. Cryptero. Nosferatu. TG Gold avec. Oh, il est trop chou, Fanky. Avec le petit Rayquaza VMAX, c'est toujours pas sorti. J'avoue, c'est pas le même tirage. Non, non, c'est. Ouais, c'est rien à voir. Feu Forêt. Ah ouais, c'est chelou de ouf. Hein. Milobellus et puis Barn. Flamme Blizzard. Et moi, j'ouvre. Tu vois, t'as eu plus de chance que moi sur les boosters à l'unité. Ouais. Bah, franchement, sur deux boosters, une bestar. C'est pas trop mal. Hop là, Lugia du coup. C'est joli. Est-ce qu'on va avoir Lugia dans Lugia? Non. Je fais l'arrache ou pas? Meditica, Araqua, Ponyta, Mimitos, Barpo. Ouais. Et du coup, Zygarde en forme chien. C'est chelou. Mais qu'est-ce qu'ils font? Franchement, c'est giga chelou. Hein. Ouais. C'est giga chelou, ouais. Il est trop moche. Oui, il est moche en plus. Il est un peu moche, mais bon. Ah bah, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hein. Même les Pokémon. Hein. Ah, Zerbi, c'est marrant. Ah, Zerbi alternative, elle est marrante. Allez, booster unité, ouais. Allez. Oh! Pas mal! J'ai cru qu'il était blanc. Non, non, mais je l'ai vu. J'ai souri, t'as même fait. Allez, le dernier booster de la vidéo! Allez. Mais arrête de regarder, c'est insupportable! Ouais. Booster, wesh! Gladys! Arrête de dire wesh, Estroco, wesh! Estroco, Neutram, Fennec, Cornèbre. Ah, ça met la pression parce que t'attends un truc, quoi. Tournegrin, Loupio. Ah oh, bon, ouais, franchement, bon, ça va. Franchement, franchement, 4 paquets. Oh, mais non, mais c'est une blague. Bon, par contre, on la veut plus. Quoi. C'est bon, 3 fois. Faut pas exagérer là. Toi, t'as du prac, on a 3 fois. Et bah, ouais, franchement, c'est très cool. Pour, ah, pour une première vidéo, c'est très cool. C'est très plaisant. Et bah, ça donne envie d'en rouvrir. Par contre, il manque les VMAX. Ouais, toujours un peu. Bon, on va aller en racheter. Ouais. On sait où c'est, donc on va aller en racheter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est cool. Bah, on se retrouvera c'est très cool. bientôt pour notre ouverture. Mais l'extension a l'air plutôt cool. L'extension a l'air plutôt cool, ouais. Les cartes Ursaking de Arceus. La Richam. Franchement, c'est une Richam alternative. C'est quand même toujours plus sympa de pas spoil, quoi. Parce que. Oui. Parce que t'as pas d'attente. On moi, j'ai pas de j'attends... spoil, tu vois. Non, mais j'attends pas de cartes en fait. Parce je sais pas ce qu'il y avait. Je sais pas si vous, quand on a vu le jeu du Zerbi, si vous êtes en Zerbi, en fait, t'oublies presque. Tu fais, attends. Ah oui, Zerbi. Mais je sais que oui, on savait qu'il y avait Zerbi, sauf que. Richam, je savais pas. Oui, Richard, je savais pas. Je savais pas. Mais Jirachi, Radio, je savais pas. Ursaking, je savais pas. Non, Moufler non plus. Bah, Rigiliki, logique, il est sur le booster, donc ça c'est logique. Bah, franchement, GG. Bravo. Bien joué. Belle ouverture. Ouais, de et ouf. Pour commencer, en tout cas, pour une toute première, franchement, c'est pas c'est trop mal. Cool. En ouais, termes c'est de plutôt quota, cool. C'est plutôt cool. Ouais, à voir si ça continue. Ou à voir si la prochaine fois, par exemple, on n'a pas du tout de V, pas du tout, mais qu'on ait des TG, par exemple. Ah oui, ce serait bien, ouais. Ouais. Parce qu'on a fait des boosters au même endroit, donc c'est possible que. Et bien on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à s'abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut!